on commencera bien si on s'est bien préparé. Voilà. Après, comme j'ai dit à mes joueurs, l'adversaire aussi s'est forcément bien préparé. Donc, je ne peux pas vous dire, où on se situe. En tout cas, moi, je suis satisfait de notre préparation. Est-ce qu'elle sera suffisante pour gagner des matchs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire des réajustements? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Je ne sais pas. On est parti sur quelque chose. On va essayer de s'y tenir en espérant que ça nous donne des points. En espérant. Voilà. Dans le football, il n'y a rien de sûr. Hein. Ça se saurait s'il y a des certitudes. Donc, le premier match est toujours difficile à aborder dans la mesure où on ne connaît rien de l'adversaire. Ils n'ont pas fait de match de compétition, nous non plus d'ailleurs, donc on va surtout se concentrer sur nous. Après, je respecte énormément Cholet, je respecte énormément le coach de Cholet, Stéphane Rossi, que je connais, on se fréquente depuis, je crois, une dizaine d'années dans le championnat national. Je suis très content de le retrouver. Il y a toujours eu des équipes très compétitives, il y a toujours eu des équipes très bien organisées, donc voilà. Mais encore une fois, concentrons-nous sur nous. Je ne vais pas me concentrer sur Cholet, je n'ai pas suffisamment d'informations. Voilà. Est-ce que tu es malgré tout impatient d'y être? Là, on est à 48 heures. Non, il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas de tension particulière. Voilà. Non, encore une fois, on est confiant. Une des clés de la réussite, c'est la préparation. On s'est bien préparé. Si ça suffit pour être en réussite, super. Si ça ne suffit pas, ben, on se remettra en question, on fera des choses différentes. Voilà.